Bonsoir à tous, je suis Elvan, Mind Coach, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis à nouveau en compagnie de mon assistant qui fait sa toilette en faisant du bruit. Navré si vous l'écoutez, si vous l'entendez. Mais voilà, c'est un chat qui, quand il se lave, il fait autant de bruit qu'un chien. Bonjour assistant, monsieur Téléchat. Ça n'est pas son nom, mais c'est un chat qui adore les photos et les vidéos. Donc voilà, il m'assiste beaucoup. Aujourd'hui, je voulais aussi répondre à une question. Une question un peu délicate qui m'a été posée par un ami. Et je lui ai demandé de me la mettre par écrit pour pouvoir la transmettre, vous la relire et la transmettre. C'est une question délicate parce qu'elle concerne beaucoup de monde. C'est une interrogation qui, je pense, beaucoup de personnes se fait. À propos de la maladie, de la rencontre avec une maladie, le cancer. Keiji, qu'est-ce que tu fais? Bon, vous avez le droit à sa démonstration de jeu. Il vient vous distraire dans cette question qui est pas drôle du tout. Enfin bref. Donc si comme lui vous avez des questions à me poser, je vous invite à les poser en commentaire sous les vidéos YouTube comme d'habitude et à interagir aussi avec celles qui ont déjà été posées, à jeter un œil pour savoir si il y a des questions que vous souhaiterez que j'y réponde tout simplement. Juste un instant, j'ai mon autre chat qui demande de l'attention. Donc voilà, voilà de retour. Avec la deuxième, donc du coup quand on parle d'une question un peu délicate, comme son énergie et beaucoup beaucoup d'amour et de tendresse, même si elle est plus discrète et qu'elle fuit un petit peu les vidéos, je pense que sa présence n'est pas pour rien. Donc sans plus tarder, je vais tout de suite vous poser cette question, vous la lire en tout cas, et tenter d'y répondre. Donc une question sur la maladie. Sa question est si une personne a un cancer, est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'est une punition, comme le karma? Et si elle est passée de l'autre côté, donc si la personne est décédée, est-ce que c'était de toute façon prévu ou est-ce qu'il y a eu une erreur dans le sens où ça aurait pu être empêché? Donc quand on aborde ces thèmes-là, c'est toujours délicat. Si une maladie il y a, c'est jamais anodin. Premièrement, ça peut être karmique, oui. Alors le voir sous forme de punition, je ne suis pas d'accord. Karmique dans le sens une étape à prendre. On le voit beaucoup le karma dans le sens retour de bâton. Moi je ne le vois pas comme ça, je le vois plus comme une étape à apprendre, quelque chose par lequel il faut passer pour expérimenter et apprendre des choses. Le cancer comme une autre maladie peut se voir comme une étape aussi à grandir, à apprendre plus de choses sur nous. Je vois aussi des gens qui manifestent des maladies dans leur vie. qui sont une résultante d'un émotionnel qui n'est pas exprimé, quelque chose qui est caché, qui est aussi une manière que le corps ou que la vie a trouvé pour vous faire comprendre quelque chose. Souvent, c'est de ralentir au niveau du travail, une façon aussi de vous dire que vous faites fausse route dans un sens. Pour que vous puissiez vraiment vous retourner à l'essentiel et apprendre d'autres bases, d'autres fondamentaux, prendre conscience plus des valeurs de la vie, de ce qui va être essentiel dans la vie, plutôt que de privilégier, oui, comme en exemple, un travail, beaucoup d'heures,
beaucoup de temps, mais plus privilégier le contact avec les amis, la famille, ce qui vous plaît vraiment de faire, d'autres activités. Et cette leçon, cette belle leçon de vivre au jour le jour en suivant sa joie. Et comme si on pouvait mourir demain, tout simplement, donc pour ne pas regretter et perdre son temps dans quelque chose où on n'aurait pas à être. Donc parfois et souvent, c'est écrit. Parfois ça ne l'est pas et c'est recalculé pour que vous puissiez apprendre quelque chose. Sur les termes de guérison et non-guérison, je ne suis pas médecin, mais de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai expérimenté, je peux vous dire que voilà, la médecine générale n'est pas au courant de tout. Ça vient brasser quelque chose qui est bien plus large que juste de l'ordre du biologique. Encore une fois, on vient pas soigner on vient soigner le symptôme et pas la cause. Et la cause est bien souvent interne. Alors s'il y a départ, le départ est jamais une erreur. Donc départ sorti du corps et décès, c'est jamais une erreur. C'est des fois une porte de sortie qu'on se laisse, qu'on met en place ce fameux plan d'action sur sa vie. Ça peut être une porte de sortie qui est mise en œuvre et qui va aussi être une étape à apprendre pour soi et pour les autres qui nous entourent à ce moment-là et qui, eux, vont rester derrière. Il n'y a jamais rien qui est fait pour rien, jamais rien qui est fait de manière négative, méchante, punition. Et c'est toujours pour plusieurs raisons. Et pour tout le monde en fait, c'est jamais une cause, une raison. Non, c'est bien plus multiple, bien plus complexe. Si vous avez à vous en sortir, vous vous en sortirez. Il n'y a pas de souci. Après, ça va mettre à l'épreuve votre foi. Ça va mettre à l'épreuve ce que vous avez pu apprendre. Ça va mettre en action et en application une foule de choses. Si toutes ces choses ne marchent pas, c'est qu'elles ne doivent pas marcher. À l'inverse aussi, même si un médecin vous condamne, c'est pas parce qu'il vous condamne que ce sera le cas. Et il n'y a que vous qui pouvez décider, qui pouvez décider comment vous allez vous sentir par rapport à ça. Voilà, aucune parole, aucune personne ne sera une vérité et ne laissez pas ces paroles non plus être des vérités pour vous et vous imprégner. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance aux médecins. On a maintenant, de nos jours, une multitude de choses qui fonctionnent. Il y a la médecine généraliste, il y a des chimiothérapies. Là, pareil, c'est en votre âme et conscience si vous avez envie de le faire. Rien ne vous empêche non plus d'aller voir d'autres médecines comme l'Ayurveda, d'essayer d'opérer un changement alimentaire, de vous renseigner aussi, c'est le moment aussi de vous renseigner ou si ça fait partie de vos proches, dans les multitudes de témoignages, de choses qui ont été faites pour pouvoir tenter l'expérience. Il n'y a jamais rien qui est définitif. La vie peut changer du jour au lendemain. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Et même quand on donne des dates et qu'on vous dit vous ne devriez plus être là, c'est pas possible, ou vous devez mourir dans tant de temps, cherchez sur Internet, je vous invite à le faire. Il y a heureusement pléthore de témoignages qui montrent que ce n'est pas le cas. Et il y a aussi des cancers et des personnes qui le manifestent et ils sont partis en très peu de temps. Donc il y a vraiment aucune généralité dans ces choses-là. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'erreur quand ça se manifeste. C'est à se demander pourquoi, à regarder si on est vraiment heureux, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans sa vie, comment on pourrait vivre au meilleur, comment on pourrait mettre de l'ordre aussi dans sa vie, dans les relations avec les gens qui nous entourent, qu'est-ce qu'on aimerait accomplir, qu'est-ce qu'on aimerait laisser comme beau message ou transmettre. Toutes ces choses-là, en fait, c'est pas une fin, c'est qu'un changement d'état. C'est des fois quelque chose qui est décidé pour pouvoir permettre à juste changer d'étape. Une mort n'est pas, elle est toujours plus difficile pour les personnes qui restent, bien qu'elle peut aussi manifester chez des personnes qui restent des grandes étapes et des grands apprentissages.
elle est toujours plus difficile pour les personnes qui restent. Pour les personnes qui partent, c'est bon, le côté d'apprendre aussi à lâcher prise, lâcher le contrôle, chose qu'on a du mal à faire, mais qui nous empêche d'être heureux et de vivre pleinement dans le présent. D'être heureux simplement avec ce qui se passe, plutôt qu'imaginer ce qui se passerait plus tard. Ça nous rappelle vraiment aux bases, aux essentiels, au bonheur. Donc, c'est un peu terrible, mais tout le monde est gagnant dans l'histoire quand il se passe quelque chose comme ça. Ça amène un changement, un bouleversement, c'est sûr. C'est jamais agréable de l'apprendre de quelqu'un d'autre ou pour soi-même. Il y a de toute façon des étapes où on va passer au niveau de comment on va se sentir dans l'injustice, dans la colère, dans toutes ces étapes-là. Tout est possible. Maintenant, il n'y a pas de choses qui sont dites, mais qu'en départ il n'y a pas d'erreur. Et là, c'est vraiment le propre de l'humain, et je comprends le côté affect de la question de mon ami qui dit que est-ce qu'on aurait pu changer ça? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à faire? On veut toujours pouvoir influencer et faire les choses, et j'aurais dû, et si, et si, et si, mais avec des et si, on refait le monde, et c'est encore une autre histoire et une autre étape. Et il n'y a pas de et si, il n'y a pas de hasard. Donc, il se passe ce qu'il doit se passer. Il n'y a pas d'erreur. Quand c'est comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et à ne pas le regarder de manière négative aussi, qu'on peut le savoir à l'avance, ben ça permet aussi de pouvoir régler les choses de sa vie, avoir plus de chances de partir avec moins de regrets, pouvoir se préparer aussi et préparer son entourage. À la différence de quelqu'un qui ne le sait pas, pourrait, ben, ça peut être aussi bouleversant. Il n'y a pas de meilleure façon. C'est une façon de le voir. Il n'y a pas de meilleure façon de partir. On sait tous qu'on est là pour un temps donné. On ne sait pas pour combien de temps. Et on se doit de tenter en tout cas de le faire au mieux et d'apprendre au mieux et de donner, de partager et de recevoir. Donc voilà. Après, pour est-ce que c'est une punition? Non. Je reviens dessus parce qu'il y avait vraiment cette notion de est-ce qu'elle a été punie? Non. C'est pas une punition. C'est pas une punition, non. Et ça ne l'est jamais. Même quand des personnes ont des interactions mauvaises avec d'autres personnes, ont un conflit et souhaitent que la personne vive dans sa vie, ouais, c'est malheureux, mais c'est ça, vive dans sa vie en fait une étape comme ça pour pouvoir être vengée. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment propre avec la personne. Donc, on est en interaction avec les autres, mais c'est vraiment propre à la personne, à son propre parcours, à son propre émotionnel, à sa culpabilité, à comment elle va se ressentir. Mais punition, non, c'est pas comme ça. Comme je le perçois, non, non, c'est pas comme ça. Voilà. C'est une question un peu délicate, vous l'avez compris, et j'imagine que vous aussi, vous avez des avis. Vous avez le droit de les exposer, je vous invite à le faire en commentaire. Si vous pensez que mon message et ce que j'avais à transmettre était cohérent et vous parlez, vous pouvez vous aider vous-même ou aider un ami également ou quelqu'un qui est en train de vivre une expérience comme ça ou qui a vécu, vous pouvez lui transmettre. Avec plaisir, je parlerai aussi pour vous. J'espère amener un petit peu de paix dans cette histoire. Pas prendre les choses à la légère ou avec des intérêts, mais juste replacer juste avec plus de paix dans ce qui est. Et oui, apaiser un peu la souffrance de la personne qui est touchée par ça. Et montrer qu'il y a toujours une façon et que rien n'est jamais fini, même si on vous le dit. Ça, c'est une certitude. Et que ça peut l'être et que ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Ça peut le paraître sur le devant, mais vous saurez plus tard, quand vous aurez passé cette étape, que ce n'était pas une mauvaise chose. Pas dans le sens une erreur et pas dans le sens négatif ou pour vous faire du mal ou tout a une raison d'être et très enseignant pour les autres autour. Voilà.
Je vous souhaite une très belle soirée. Alors oui, c'est toujours la soirée. Quand je fais des questions-réponses, c'est vrai que j'ai tendance à me poser chez moi en début de soirée, à l'heure où les gens vont aller boire l'apéro, regarder un film. Moi, j'aime me poser et repenser justement à la fin de la journée, à laisser aller à mes réflexions et aux questions qu'on a pu me poser. Et c'est aussi le moment où j'apprécie pour pouvoir vous répondre dans cette ambiance-là de début de soirée, comme qu'on se poserait devant un film, avec la présence de mes assistants qui interagissent un petit peu aussi avec vous. Toujours aussi calme, ce chacha, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, oui, il a beaucoup de succès. L'autre se cache un peu plus, mais voilà, elle est comme ça. Elle est moins dans l'apparition, plus dans la délicatesse. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, comme toujours, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonner si vous souhaitez recevoir un email à chaque fois que je publie une vidéo, pour pouvoir le regarder et ne pas passer sur la chaîne à se demander à quand ou autre. Ça peut être une bonne solution. Donc je vous invite à liker donc la vidéo pour pouvoir la faire remonter aussi au niveau de la recherche de mots-clés. C'est une belle façon aussi de m'apporter votre soutien et je vous en remercie quand vous le faites. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'il n'y a pas de petits likes, il n'y a pas de petite façon de faire. C'est gratuit et je sais que c'est un geste du cœur et ça me remercie, ça me gratifie. Voilà, merci, merci pour le faire. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir transférer, j'allais dire transfuser, ça marche aussi, les messages que j'ai à transmettre. Et voilà, et à savoir que ça me booste aussi à continuer, à savoir qu'il y a de l'intérêt pour ça. J'ai à cœur à répondre à ces questions et à interagir, à venir sur des sujets plutôt qu'en complément aussi, en plus de mon métier de mind coach, des gens que je vais voir aussi en thérapie personnel, voilà, à donner aussi des réponses, une but, que ça puisse suivre une suite de réflexions que vous ayez. Et je suis ravie en tout cas que vous passiez par ma vidéo comme ça, par curiosité, ou que ça soit une suite de questionnements, que ça y réponde, que ça y valide ou non. Donc voilà, en tout cas je vous remercie pour votre soutien, pour les likes, pour les partages. Et je vous souhaite une très belle soirée et prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et à bientôt. Au revoir.